Nous sommes au Hôtel Ibis, c'est celui Sable d'Olonne, donc en centre-ville au niveau de la gare. Petit déjeuner bien sympathique, donc je vous dis là, je me coiffe et après, Eric lui, il doit aller voir ses parents, rester un petit peu avec eux, puis les aider pour 2-3 bricoles. Et moi, je vais aller dans les sables. Je vais vous montrer en fait à J+2 de la mésothérapie. Alors, il y a toujours les points d'impact. Hein. Déjà, j'ai plus mal. Et ça se résorbe. Alors il y a des bleus, hein. Vraiment on voit encore plein de petits bleus, mais ça va, il m'a dit c'est au bout de 5 jours, entre 5 et 10 jours, que ce sera optimal au niveau du résultat. Et ce midi, nous allons manger avec ses parents au restaurant, je crois ils m'ont parlé d'un Mona Lisa. Ça doit être un restaurant italien. Hier soir, j'ai pas filmé parce que voilà, on était tous les deux. On est sortis, je voulais manger des tapas et tout. On s'est pris deux petites pina coladas. C'était super sympa et vraiment bien. C'est quand même agréable de pouvoir se balader sans le masque. Et il y en a quand même beaucoup qui le portent en extérieur. Ah bah c'est bien. C'est là que tu vois que tu t'es vachement bien coiffé. T'as au Sable d'Olonne. 2-3 coups de vent, c'est fini. C'est fini. Voilà. Outfit of the day. J'aime bien, c'est mon nouveau pantalon. Le pull, parce que bon, mine de rien, il fait que 18-20. Et chaussures comme ceci. C'est lesquelles? C'est des jaunes, tout simplement. Regardez cette petite chaise, Mademoiselle Clara. Je l'adore. C'est ça, en fait, au Sable, je trouve qu'il y a vraiment des boutiques qui sont au niveau des devantures et tout, c'est très raffiné. Il y a toujours des petits détails, et là, je l'ai vu, regardez, ça c'est le détail. Bon, la chaise, elle est adorable. Le pompon pampi, comme ça, sur du bois, suspension. Et voilà, magnifique. Alors, les portants en bois clair. Entrée, pareil, de petites boutiques. Les parents d'Eric m'avaient prévenu qu'il y avait beaucoup de boutiques de thé, d'infusion qui commençaient à s'installer. Ça fait depuis novembre, c'est ça? Que vous êtes installé ici? Exactement. On est sur vraiment des produits naturels et je trouve, au niveau des tarifs, c'est très 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 correct. Des sachets, regardez, 8,90 des sachets comme ça. On peut faire infuser à plusieurs reprises. Parce que c'est vraiment des morceaux de fruits entiers. Ça donc on peut faire, déjà c'est une boule à thé pour 1 litre, donc ouais. Ça fait quand même une quantité assez intéressante. On peut le refaire infuser, parce que ça a vraiment beaucoup de goût. Et une manière en fait de rester hydraté tout au long de la journée. Ils ont un rooibos qui est, on va dire, vert. Ça change, parce qu'en général c'est du thé, enfin c'est rouge. Ouais. Généralement c'est le coup de cœur de nos clients. Ce sont des pailles en inox. En inox, ça doit être particulier, non? À mettre en bouche. Forcément, on a le goût du contact avec l'inox, mais c'est plus agréable que le carton dans le sens où ça ne va pas se désintégrer dans notre boisson. Après, si vraiment on ne veut pas avoir le goût, je trouve que celles-ci sont idéales, elles sont en verre. Ah. Et donc là, pour le coup, on n'a pas du tout le contact vraiment très agréable. On va dire que c'est l'avenir. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles! Merci. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on n'est pas influenceuse, mais on en a fait de cellules très colorées. C'est ça. On a du mug, on a de tout, donc petite boutique, très sympathique, vraiment, les plantes de l'apothicaire. Bon, très très belle rencontre, et il s'est mis à pleuvoir, c'est fini. Si tu voulais pas rester avec nous. Il n'y a pas énormément de touristes, les touristes étrangers qui avaient l'habitude de venir à cette période, bah, ils ne voyagent plus, forcément. Donc je pense rentrer à l'hôtel, hier soir Eric, il est tombé en arrêt devant un suite, il m'a dit... Bébé, c'est pour toi, je te l'offre. Il s'en est pris un et je vous montrerai. C'est un suite à message. Il est trop, trop bien. Allez-y, messieurs, dames. J'ai le visage tout poite, tout collant. J'ai mis un reste de fond de teint. Je n'ai plus de fond de teint. Il ne me convient pas du tout. Oh, regarde. Quelqu'un a fait un dessin. Oh, ça fait du bien, putain. Regardez. Cablan, ok, bon, très bien. Waouh. Là, il y a marée basse. Hein. Ouf. On va descendre un peu quand même. Je vais mettre les pieds dans le sable. Oh, les gens mangent déjà, mais quelle heure est-il? Ah ouais, il est 11h41, d'accord. Oh, cette sensation. Je vais me poser un peu. Je peux vous dire que je vais en profiter parce que la plupart du temps,
quand on vient comme ça au Sable d'Olonne, juste quelques jours, 2-3 jours, je prends pas le temps. En fait, je viens et je me pose pas, je regarde pas la mer, le truc que j'adore faire, je ressens pas les choses. Alors que quand t'es chez toi et que tu regardes un film, une série où notamment il y a la mer, tu dis « waouh, j'aimerais tellement y être, j'aime trop, voilà. » Et tu le fais pas quand il y a. Alors j'ai dit non, Caro, tu te poses et tu profites. Par moment, t'as le choix que de remettre le masque quand il y a plein de monde d'un coup. Là, je suis devant une petite boutique, pareil, parce que c'est beau. Ça, sur la porte, c'est très beau, là-haut. Très très beau. Quand je vous dis que les lustres, dans les boutiques des sables, sont dingues. Il y a un certain effort qui a été fait quand même, regardez. C'est magnifique. Nous voilà, on va manger. En fait, je me suis trompée, c'est pas le Mona Lisa, c'est le Nona. C'est une brasserie italienne à la décoration très originale. C'est régalé. Vous avez vu là ce que je vous ai montré de près, les, on va dire, boulettes, je sais pas. À l'intérieur, c'était un risotto. J'avais jamais mangé ça, exceptionnel, avec un petit jus de truffe, des petits morceaux de truffe et des champignons. Waouh. Après, c'était excellent. J'ai pas pris de dessert parce que je pense que ce soir, je vais peut-être me lâcher. C'est possible. On va peut-être déposer ses parents, je pense. Et puis nous, on va aller voir pour des baskets. Je pense. Ah bah. Et le Nona, ça veut dire mamie en italien. C'est pour ça qu'il y avait aussi de la déco au mur comme ça, des vieilles assiettes. Mais la déco était très chouette, hein, vous avez vu, c'était très haut de plafond. Et là, c'est un peu comme des pinèdes, on se croirait dans le sud-ouest parfois. C'est drôle. Et bah regardez, je me t'ai dit on va passer un séjour, il va pas faire beau, et bah nickel. Oui, donc je vous disais, là en Valais, c'est nouveau. C'est un grand complexe Leclerc et à côté il y a Ilium et on va voir pour des baskets. Il me veut des chaussettes et je sais plus. Et après je profite, on va aller se balader, et on va profiter un peu de la plage et tout ça. Et digérer. C'est magnifique, il y a tout. Bon, il y a même un Sephora, mais il y a des enseignes, je n'imaginais même pas. On a l'impression qu'ils ont refait tout, ouais, le centre commercial à Los Angeles. C'est clean, c'est beau. Les Sables d'Olonne sont à, oh, à la Mango, France, ce que Los Angeles est aux États-Unis. Ouais, c'est magnifique. On a fait un petit. Oh là, je suis en train de craquer mon jean. Un petit arrêt dans la chambre. On va repartir. Il est quoi? Il doit être 17h, comme ça. Ouais. Ah, 17h30, je pense que comme hier soir, même si on n'a pas trop envie, vu qu'on a bien mangé ce midi, on va se faire un petit coin ce soir quand même, boire de l'eau. Capoute, disons, ça fatigue l'air marin, c'est fou ça, ça fait bien. Et on rentre déjà demain, je vous ai dit, hein, c'était hyper rapide, mais suffisant je trouve pour voir autre chose, parce que je suis quand même à longueur de temps, devant mon ordi, à la maison, je sors pas beaucoup, et je peux vous dire que ça fait un bien fou. Bon, il est possible que vous entendiez pas trop, nous sommes sur la côte sauvage. J'ai lancé un défi à Eric ce soir, que nous allions, qui me trouve un petit endroit sympa, un peu lunch, ambiance sympathique, près de la mer, trouver un resto, voilà, un truc cool. Ils arrivent de là, les Vendée Globe. C'est sûr, c'est le phare, hop. Ah, c'est l'ouest. Exactement. Dans une crêperie, et je me dis, ça te dit pas une crêperie en fait, carrément. Si, ça fait une éternité que j'ai pas pris une crêperie, et on a quand même la vue sur mer. Voilà, il est 8h10 bébé. J'ai pris une chèvre avec des noix. Largement avant 10h, on sera à l'hôtel. Ouais. Ouais, je serai peut-être même en train de dormir à 10h. Ah, tu crois? On a explosé. J'ai été raisonnable. Banana spritz. Waouh, crêpe, pardon, banana spritz. C'est beau. Et toi, souvenir d'enfance, ça, tu m'as dit chocolat liégeois. Chocolat liégeois, c'est beau. On rentre de la pizza, regardez ce chat. C'est un Maine Coon, ça. Oh, qu'il est beau. Mais t'es très beau, toi, t'es tout seul. Hein? Ben oui, tu le sais que j'adore ça. Oh, que t'es beau.
va se poser. Bon ventre, je pense qu'il va me falloir un bon moment pour digérer. On a passé une très bonne journée. C'était cool, très très bien. Regardez la vue qu'on a de la chambre. Très joli. Il y avait encore un chat. Vous avez vu ce chat, le Maine Coon? Je crois que c'était un Maine Coon. Il était tout beau. Voilà, la petite vue de l'hôtel. J'ai pas pu m'empêcher. Me préparer et demain matin je vous reprends.